Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les emplacements des reliques extraterrestres qui va vous permettre de personnaliser votre skin Chimera. Donc il va falloir obtenir beaucoup de reliques extraterrestres pour l'améliorer complètement et le customiser à votre goût. Donc voilà, je vais vous montrer les 5 emplacements des reliques qui respawnent à chaque fois sur la map de Fortnite. Alors pour vous aider, je vous affiche une map avec tous les emplacements des reliques extraterrestres. Mais je vais quand même vous les montrer en plein jeu. Donc ici, à côté de Believer Beach, il y en a un qui se trouve juste dans la tour des gardiennes. Donc juste ici, comme je vous le montre. Donc pour le récupérer, il faut juste passer dessus. Comme ça, vous le récupérez. Il n'y a pas besoin d'interagir avec, ni rien du tout. À chaque fois que vous allez récupérer des reliques comme ça, comme je viens de le faire, extraterrestre, vous en récupérez 4 d'un coup. Alors l'emplacement que je viens de récupérer, le premier, se trouve juste ici, à la tour gardienne. Donc là, je vais vous montrer un deuxième emplacement. Alors le deuxième emplacement se trouve au verger. Comme vous pouvez le voir, en plein milieu des arbres, juste ici, hop, il y a un deuxième emplacement. Donc, sur la map, c'est juste ici, au-dessus de Corny Complex. Ah, ils ont changé le nom. Ok. Donc, bien évidemment, si vous voulez farmer, c'est totalement faisable. Vous relancez plusieurs fois la game. Vous allez chercher tous les reliques que vous pouvez extraterrestres en une game. Donc, moi, je vous conseille d'aller en Fort d'Empoigne. Ce sera beaucoup plus simple. Vous pourrez voyager beaucoup plus rapidement. Et comme ça, vous allez pouvoir farmer les reliques extraterrestres rapidement. Donc là, je vais vous montrer le troisième emplacement. Alors le troisième emplacement, c'est en plein milieu dans le cratère de la flèche. Donc là, en plein milieu, il y a une relique extraterrestre à récupérer. Alors maintenant, je vais vous montrer le quatrième emplacement. Alors le quatrième emplacement, c'est à Catty Corner. Donc juste ici, comme vous pouvez le voir. Bon, là, j'ai pas de matos pour construire, donc on va se faire casser cette petite pierre. Voilà, hop, hop. Vous montez juste ici et vous récupérez la relique extraterrestre. Donc, je vais vous montrer sur la map, voilà, juste ici, à côté de Catty Corner. Maintenant, je vais vous montrer le dernier emplacement des reliques extraterrestres. Alors, le cinquième et dernier emplacement des reliques extraterrestres se trouve à Durburger. Donc, je vais vous montrer, c'est juste derrière le restaurant. Voilà, juste derrière le restaurant, normalement, il y aura la relique. Elle se trouve normalement juste ici, attendez. Mais normalement, elle est juste ici, mais apparemment... elle n'y est plus, donc serait-ce individuel? Alors là, je ne sais pas. Je vais relancer une game. Et là, si elle s'y trouve là, ça veut dire que quand quelqu'un la récupère, on ne peut plus la récupérer. Ou alors après la première zone, on ne peut plus la récupérer. Je ne sais pas. Je trouve ça bizarre. Parce que la relique du milieu, quand je l'ai prise, il y avait plusieurs personnes autour de moi. Et je pense qu'ils l'ont quand même récupérée. Ils ne vont pas passer à côté. Donc soit... c'est à côté, c'est après la première zone, on ne peut plus la récupérer. Ou soit, il n'y a qu'une seule personne par game qui peut la récupérer. Donc n'hésitez pas à me tenir au courant et à le dire dans l'espace de commentaires si vous en savez plus à ce propos. Parce que normalement, elle devrait se trouver juste ici. Donc là, je vous montre sur la map. Elle devrait se trouver juste ici, voilà, dans cette petite cabane. Et là, elle ne s'y trouve pas. Donc si vous en savez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme ça, ça informera la communauté. Ce serait sympathique de votre part. Donc je vais lancer une game pour voir si elle y est toujours quand je spawn et voir si quelqu'un quand quelqu'un la prend, mais je pense que je pourrais pas tester ça, mais on verra. Donc de toute façon, je vous dis ça tout de suite. Donc je n'arrive plus à rejoindre une game, à mon avis Fortnite a des problèmes de serveur, mais bon, c'est pas grave, je vous ai quand même montré les 5 emplacements. Alors pour la dernière relique qui n'était pas apparue, je ne sais pas exactement pourquoi elle n'y était plus. Donc si vous en savez plus, n'hésitez pas à lire en commentaire. Et j'espère que cette vidéo d'information vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.